Excuse me? May I sit next to you? Of course. Feel yourself at your home. I mean, I'm at my home. And anyway, good evening. Well, good morning. Oh, well, good night. Well, I guess it's yes. Are you new on this beach? I've never seen you before. I'm traveling for business. Oh, and what is your job? No, no, let me guess. I know. You're a supermodel. Not at all. I'm a climatologist. Climatologist? Yes. Oh, wow. I love climatologists. Is it true that the climate is warming up? Yes, indeed. Oh, wonderful. I love when it's hot. I have a collection of 156 bikinis. Impressive. But you know, the climate changes doesn't mean that it's going to be warmer everywhere, but in some places it's going to be colder because of sea currents. In other places it's going to be more dry, and in other places more humid. Well, you don't know much, you climatologists. We just know we don't know everything. But I could reveal you some secrets about the future of the climate. It's so sweet. And afterwards, I'll show you my collections of bikini. Ouais, bon, et ça donne quoi, l'avenir climatique? Alors, aux dernières prévisions, la température pourrait augmenter de 2 à 6 degrés dans les 100 prochaines années. De 2 à 6 degrés? Non mais c'est énorme la différence! Ils sont pas très précis, leurs aspirateurs, hein? Bah, c'est pas de la faute des aspirateurs. Mais comme je te disais, on sait pas vraiment comment ça va évoluer. Parce que pour l'instant, les humains continuent à rejeter trop de gaz à effet de serre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pas mal de changements. Bah vas-y, raconte, raconte! Mais il y en a trop, je peux pas tous les citer. Oh mais, ah, j'ai une idée! On va faire un jeu. Où? Un quiz! Bon, moi, j'essaye de deviner les changements qu'il y aura dans le climat, là, dans 100 ans. Et puis, les enfants peuvent me dire s'ils croient que j'ai vrai ou faux. Et toi, tu nous donnes les réponses, professeur. Ouais, ouais, ok, d'accord. Et alors, on compte les points. Attention, tu. Le climat dans 100 ans. Ok, top chrono. Bip. Chez nous, dans le Grand Nord, il n'y aura plus du tout de banquise l'été. Vrai. La banquise d'été sera complètement dégelée. Et il faudra aller sur la terre au Groenland et attendre l'automne pour que la glace revienne. Un point! Ping! Au pôle sud, en Antarctique, ce sera la même chose. Il n'y aura plus du tout de glace et les manchots vont devoir s'épiler comme des poulets. Faux! Oh. Même si là-bas aussi, il fait de plus en plus chaud, il y a tellement de glace quand même. Des milliers de kilomètres, que ça prendrait des années et des années pour tout fondre. Mais il y a quand même déjà des gros blocs de glace qui se détachent pour fondre dans la mer. Oh, bah tiens, le niveau de la mer va tellement monter que tous les habitants de l'île Maurice vont devoir se réfugier en haut du piton de la rivière Noire. Faux. Oh. Mais une petite précision quand même. Si le niveau de la mer monte, c'est surtout parce que l'eau se réchauffe, tu vois. Bon, bien sûr, ce serait la catastrophe si tous les glaciers fondaient. Mais pour l'instant, l'eau, en se réchauffant, elle se dilate, elle gonfle. Donc, elle fait monter le niveau de la mer. Tu vois? Mais pas assez pour engloutir Maurice, hein, quand même. Mais ici, la mer devrait monter environ de 56 cm, quand même. Ouais, quand même. Oh tiens, le climat dans l'océan Indien. Oh bah c'est très simple, il fera toute l'année 52 degrés et il pleuvra plus jamais. Faux, mais il y aura quand même pas mal de changements. La température dans l'océan Indien devrait augmenter de 2,8 à 3,9 degrés. Et pour les pluies, il y en aura encore plus qu'aujourd'hui pendant la saison des pluies et encore moins qu'aujourd'hui pendant la saison sèche. Il y aura des périodes où on manquera d'eau et ce sera compliqué pour l'agriculture, les familles, les industries. Top! Ariette la mouette va tomber amoureuse de moi et on va se marier. C'est quoi cette question?
Je m'intéresse à mon avenir climatique personnel. Je voudrais savoir si ça va se réchauffer entre ma poulette et moi. J'ai pas la réponse dans mes modèles climatiques. Ok, je vois que la science n'a pas réponse à tout. Eh non. Oh tiens, un dernier truc. Il va falloir faire gaffe en volant au-dessus des tropiques, parce que les tempêtes, les cyclones, les ouragans, ça va décoller. Vrai, même si on ne sait pas vraiment quelles sont les conséquences du réchauffement sur les cyclones, on constate qu'ils sont de plus en plus violents. Ah ! Oh, en parlant de moustiques, il va y en avoir de plus en plus avec plein de maladies. Eh bah oui, il y aura plus de moustiques et plus longtemps pendant l'année. Du coup, bah, tout ce qui va avec, quoi. Il y aura plus de palus, de chikungunya, de dengue. Et pour les microbes, c'est pareil. Comme ils aiment bien la chaleur, par exemple, certaines maladies du bétail seront plus présentes. Bon, j'ai fini. Ping.